Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous le connaissez sûrement puisque c'est la base des modes de jeu à rôle. Les amis, bienvenue en loup-garou UHC. Au cas où vous ne connaîtriez pas, le but est simple. C'est un UHC classique, sauf qu'au bout de 20 minutes de jeu, des rôles vont nous être attribués. Nous allons pouvoir faire partie d'un des deux grands camps principaux, à savoir les villageois et les loups-garous. Les loups-garous se connaissent pour la plupart tous entre eux et ont comme objectif d'aller s'infiltrer du côté des villageois afin de tous les éliminer. Les villageois, quant à eux, pour la majorité ne se connaissent pas, mais ont des rôles puissants afin de démasquer les loups pour évidemment tous les éliminer. Lors de cette partie, nous étions sur le plugin officiel de la saison 9. Personnellement, je n'ai jamais joué sur des versions au-dessus de la saison 7, ce qui signifie que les rôles comme la prêtresse, le loup-garou mystique ou encore le rival sont inconnus pour moi. Et la grosse nouveauté de cette saison sont les événements aléatoires. Plusieurs événements comme l'exposed ou alors le loup-garou bourré ont généralement un pourcentage de chance très faible d'être déclenché sur un épisode. Mais si c'est le cas, la partie peut prendre très rapidement une autre tournure. Au vu de toutes ces nouveautés, je ne peux évidemment pas toutes vous les expliquer. Alors si vous aussi vous ne les connaissez pas et si vous voulez mieux comprendre la vidéo, je vous invite à avoir le document du mode de jeu à côté de vous, il se trouve en description. En tout cas, sachez qu'entre découverte de nouveaux rôles et de nouvelles stratégies, la partie s'annonce déjà inédite. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Loup-garou feutré. Ah, c'est pas le loup-garou qui se fait passer pour un gentil? Je crois que c'est ça, hein. Votre objectif est de gagner avec les loups. Pour ce faire, vous disposez de force la nuit. À chaque kill, vous gagnez une minute de speed et deux cœurs d'absorption. Donc ça, c'est le truc basique des loups. Vous recevrez à chaque milieu d'épisode un rôle façade sélectionné parmi les rôles des joueurs restants. La voyante, le renard, le montreur d'ours ou encore le détective ne verront que votre rôle de façade. À chaque début de nuit, dès l'épisode 4, vous pouvez échanger des messages anonymement avec les loups pendant 30 secondes. Ok. Donc en gros, on se fera jamais cramer, si j'ai bien compris. On est loup, mais on sera aux yeux des rôles à info. Gentil. Donc c'est bien. Tu peux avoir un rôle façade LG? Non. Ah merde, je pensais que quoi qu'il arrive, on allait être un rôle du côté du village. D'accord, tu peux être assassin comme LGB comme SV. D'accord. Ah. Ouais, le truc c'est que ça peut être vraiment n'importe qui quoi. Ok, on est sœurs. Ça c'est pas mal. Vous pouvez maintenant connaître la liste des loups. Attends, c'est quoi le... Il y a le loup bourré? Des ravages de l'alcool, voire sa liste remplie de fausses informations. C'est quoi ça, le loup bourré? Et c'est là que les problèmes commencent. Le loup-garou bourré est un événement aléatoire qui avait, écoutez-moi bien, 10% de chance d'apparaître. Cet événement handicape énormément les loups-garous, puisque un de leurs membres, qui peut très bien être moi, a en réalité une fausse liste de loups-garous. Cette liste que vous voyez actuellement peut très bien être la bonne comme la fausse. Le seul moyen de le vérifier est d'aller voir un de ses membres afin de leur faire comprendre que je suis LG et que j'aimerais bien comparer la liste afin de savoir si c'est la bonne. On aura très rapidement notre réponse en fonction de sa réaction. Mon objectif va être donc de rapidement aller au centre afin de croiser un de mes potentiels mates pour avoir la confirmation si oui ou non il est dans ma team. Si c'est le cas, j'aurai alors la bonne liste, mais si ce n'est pas le cas, cela signifiera qu'il est alors du côté du village. La game sera alors totalement différente pour moi puisque j'aurai aucune information sur mes mates loup-garou. Allons rapidement au centre de la map. Ok. Alors, oh, je suis trublion. Yo frère, comment il va? T'as pas des petites gaps? Non frérot, est-ce que t'as des pommes rouges par contre? Parce que je peux en faire. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Bah non frère, voilà. T'as croisé des gens ou pas? Ok, viens voir. Mmh. Viens voir. Je vais lui demander les gars pour la liste. Attends, je vais te mettre des panneaux au cas où quand même. Tiens. De quoi tu parles? Tiens, prends. Et pourquoi je devrais le prendre? Mais il prend pour marier. Mais. Mais j'ai. Liste de quoi? Ok, bon, ça marche pas le brain sur toi. Tant pis. Je suis donc de toute évidence le loup-garou bourré. Ce qui signifie que la liste de loup-garou que j'ai eu à l'annonce des rôles est fausse. Puisque nous l'avons testé avec un de ses membres qui était Akaza. Et de toute évidence, il ne comprenait pas du tout de quoi je lui parlais. La partie s'annonce de mon côté très très compliquée. Je vais devoir agir et tenter des actions sans connaître l'identité de mes mates. C'est une situation inédite que je suis en train de vivre et que je n'ai pas vu expérimenter auparavant. Je n'ai donc aucune idée de comment jouer, mais nous n'avons pas le choix. Il va falloir tenter de nouvelles stratégies. Les gars, j'espère qu'il a pas de IQ. Mais du coup, on est loup bourré. On est dans une sauce. Je peux pas jouer. Je peux pas, je sais pas qui est avec moi. Mais je sais que la casa n'est pas avec moi du coup. Les gars, yo frérot, je viens d'arriver. Comment il est mort Alors. Le pauvre. Il est monté sur la tower. Non. Et un bus l'a défoncé. Non. Il a mis une flèche et il a pas aimé, genre.
À peu près, ouais. Et il est mort. Il était con, ou Lélé? Ah, mais il était en descente, je crois. Et ça fait ouais, il était assassin, vous avez dit? Je crois que c'est ça. Peut-être genre, il était en train de descendre, il s'est pris une flèche en descendant et. Comment il va, Flumit? Ça va, j'ai très galéré à trouver le centre, mais ça va. Il est mort, mon frère. Mais pourquoi? Je viens d'arriver au zéro. Non, t'inquiète. Oh merde. J'ai pris mid life, hein. Attends, je bouffe une gamme, mais t'inquiète. Ouais. J'ai pris dégâts de chute, hein, classique, les gars. Je vais retenter, mais je suis bien loupé. En fait, c'est peut-être dans la mesure où Akaza l'est aussi, du coup, bon. Voilà, mais je vais retenter. Ça marche pas, frère, c'est nul. Vous voyez le chat, ça marche pas. Par contre, les gars, ouais. Viens voir, s'il te plaît. Quoi? T'es joueur? Ouais. Bah, wesh. Viens, arrête. S'il te plaît. Ça m'aide beaucoup. Si t'es joueur. Non, mais frère, je suis pas méchant. Hein. Ah, ok, ouais, non, okay, j'ai capté. Mais frère, je suis, hein. Ah bon? Je te crois pas trop. Hein. La tête de ma mère, frère. Je te jure, la tête de ma mère. Crois-moi. Ouais, ça sert à rien. Non, je vais te croire. Mais attends, mais là, tu m'as mis à deux cœurs. Vas-y. Ah ouais, à ce point-là. Mais frère. Après ça, je peux pas le savoir, mais. Non, mais gros, attends, viens, faut qu'on parle. C'est des dingueries qui passent, je comprends pas. Attends, ah, voilà, je comprends plus rien là. Je pense que je suis loup bourré. Je t'explique ma liste. J'espère que tu me ruines pas, gros, tu serais trop fort. Mais réellement je te dis ma liste que j'ai. J'ai toi, Kuka, Rodakin, Noero, Akaza. Sauf que je suis allé voir Akaza. Après, t'as compris ce que je voulais faire, mais. Oui, mais j'ai aucune raison de te laisser en vie, je t'aurais tué maintenant. Alors, le seul truc que je peux dire, c'est que. C'est quoi la liste que t'as? Envoie un message dans le chat. Mais dis-moi, c'est quoi la commande déjà? Je sais pas. Bah, test. Ok, c'est moi. Ok, c'est bon, je te crois. Oui, bah, du coup, mais non, mais dis-moi. Moi, Vloda. Ido. Attends, je note. Voilà une situation improbable qui nous sauve la game. Pour être bien certain que je suis le loup-garou bourré, j'ai tenté la même expérience qu'avec Akaza sur Flumit. Et ce fut encore un échec puisqu'il ne comprenait pas de quoi je parlais. Sauf que sans aucune raison, Flumit se met à m'attaquer en me faisant bien comprendre qu'il est l'infect perdilou et qu'il a besoin de moi. Je lui fais alors à mon tour comprendre que je suis bien loup et avec de la chance, pour qu'il en soit certain, je mets un message dans le chat des loups. Il a maintenant confiance en moi et me passe la vraie liste de loup-garou, qui est donc composée de Flumit, Wadla, ici. Sino, Reichu et Cassidy. Le problème étant qu'en face de nous, nous avons des gros joueurs comme Nutitu, Unblue Diamond, Nimbus, etc. Il va donc falloir prier pour que l'enfant sauvage passe rapidement de notre côté et que Flumit infecte la bonne personne. C'est à partir de maintenant que la game commence. Regarde, tu me sauves. Il va falloir vraiment trouver un bon joueur parce que. Ouais. Sinon, on est vendeur à la même. Moi, je suis chaud qu'on prenne soit Nutty, soit Unblue. Ouais, moi, je veux bien qu'on fasse sur Unblue. Unblue, Nutty. Donc on va essayer de voir. Vas-y, go, on y va. Pourquoi les bleus ? Alors, les gars, par contre... Pourquoi t'as pris... C'est toi qui as pris les bottes, Alan ? Ouais. Pourquoi ? Mais il y a eu un truc qui s'est passé qui est très cringe. Dis-moi. Non, je peux pas dire, ça me dévoue. En vrai, t'as pas moyen de me dire pourquoi t'as pris les bottes et les trucs cringe ? Ça me dévoue. Ah ouais, ça te dévoue ? Ça me dévoue. Non, mais genre... en fait, non, mais est-ce que tu sais pourquoi on t'a voté ? J'ai pas de mytho, mon rôle il est connu de deux personnes déjà. Alors que ça aurait pas dû. Ok, viens voir. Alan. Ouais. T'inquiète. Allez, let's go. Je vous dis pourquoi je l'ai fait à la place de Nautilus, c'est parce que c'est un rôle à info qui est déjà connu de deux personnes. Donc c'est un rôle qui est bien. C'est forcément un rôle qui est bien et qui peut s'infiltrer. Donc on est impeccable. Voilà pourquoi je l'ai fait. Et il y a du people. Et les gars, les groupes là. Ouais, les groupes, les gars, écartez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Allez, les troupeaux, allez. On s'en va. J'ai juste peur de tomber avec Cassidy. Cassidy, je vous le dis, elle est méchante, les gars. Non. Ah, je vous le dis, elle est méchante. Moi, j'ai des coups d'épée juste parce que ça va se vénère. On la tue ou quoi? Je me transforme. Ah non, c'est bon. Ça marche pas, putain. Mais c'est hier. Ça sert à rien, elle s'en va. Je vous ai dit, elle s'en va. Ouais, non, c'est terrible. Genre vraiment, il y avait 6 titans autour de moi et il y a une titan ultime. Et moi j'étais en plein milieu de la mêlée, en train de donner des coups. Cool. Quoi? Ouais, il a lancé une... R9. Un 9. C'était bien joué, frère. Quoi? J'étais sûr.
Après, Zardop, voilà quoi. Comme tu veux, mais... Non, non, mais moi, je veux fight up pas, là. Oh non. C'est pas très gentil. On va bien jouer. Non. Okay. Il était avec quel groupe, les gars, vous l'avez vu? Je suis avec zéro groupe, les gars. C'est quoi ce délire? Je sais pas, enfin, c'est juste. Attends, c'est qui? Pega, tu... ouais. En fait, le truc, c'est qu'au niveau du timing, j'ai croisé Cassidy, genre juste après le kill, du coup, c'est pas possible sur moi, et j'étais avec tout le monde ici là. Pega, j'étais même pas dans le groupe, frère, j'étais même pas là-bas, qu'est-ce que tu me racontes? Il faut aller tuer les frères, là. Qu'est-ce qu'il raconte, frère? C'est quoi ton brain que tu tentes là? Tu comprends maintenant, Noévo, pourquoi je. Frérot, t'as l'absolu tout, toi, frère? Oui. C'est pour faire comprendre ce que je. Qu'est-ce qu'il me raconte, frère? Détail. J'étais même pas dans le truc, frère. Après, mec, c'est vraiment des MLG de deux blocs et un peu ça. Attends, quoi? Mais j'ai mis toutes les portes. Frérot? Qu'est-ce que tu baragouines, Wadla? Attends. Non, c'est faux, c'est archi faux. Hein. C'est archi faux, Kuka. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est associé là. Qui sauce qui? Le groupe Labus, qui est associé avec moi. Franchement, reste loin de moi. Flumite, ma brain. Je comprends pas. Je comprends rien. Mais frère, qui parle? Qui parle? Attends, mais c'est Ino qui parle là? Il est où, Ino? Ino, pourquoi tu dis que c'est moi là? Parce que. En fait. Ino? Vloda est arrivé de l'endroit où. Non mais les gars, allô, j'étais pas dans le groupe. C'est qui l'a associé alors? Je sais pas, je viens de te dire, j'étais pas dans le groupe. T'étais avec qui? J'avais pas de groupe. J'étais solo. Oui, la et tête. Vloda a inventé. Oui, c'est pour ça. Et c'est d'ailleurs, tu crois que c'est pourquoi que lui il avait de l'abso et qu'il revient tout seul d'un coup comme ça, frère? Mais je t'approche pas, frère, c'est le jour et tout. Enfin, t'es au milieu de tout le monde. Enfin, bon. Lui, mon Luvolt. Vous avez. T'as confiance en Luvolt? Ouais, je pense, ouais. Moi, j'ai confiance en un mec, c'est Akaza. Ouais, mais qu'est-ce que. J'ai pas un bon avis sur lui. Ou au-delà, mon frère. Je sais pas pourquoi le tu tentes ce brain, mon bro, mais. Zéro brain, bro. Tu joues tellement mal. Ça me termine. Ça me termine, Wadla. Eh, Wadla, t'as des balles rouges? En fait, le truc, c'est que j'ai pas plus d'infos que ça, mais. Mais gros, je suis pas méchant. Bah, j'attaque pas. Moi, j'attaque pas. Alors, je peux tout vous expliquer. Dans un premier temps, je vais vous demander de rester, car la vidéo n'est pas du tout terminée, puisque je vais vous montrer la fin de la game qui est une masterclass, avec différents points de vue des personnes qui sont encore en vie. En ce qui concerne ma mort, beaucoup ne doivent pas comprendre, surtout ceux qui n'ont pas trop l'habitude des games sur le plugin de la saison 9. Ne vous en faites pas, j'étais totalement perdu aussi. Reprenons. L'événement loup-garou bourré fait que, aléatoirement, un des loups dans la partie aura une fausse liste des loups-garous. En voulant donc m'assurer que ce n'était pas moi le loup-garou bourré, je suis allé voir un de mes loups présents dans la liste, et le premier que j'ai croisé était Akaza, et il m'a bien fait comprendre qu'il ne savait pas de quoi je parlais et qu'il n'était donc pas loup. Sauf que voilà ce qu'il m'a dit quand je lui ai demandé son rôle après la game. Oui, on s'est fait ruiner la game. Et lorsque j'ai voulu retenter l'expérience avec Flumit, celui-ci m'a donné une liste que je pensais être la bonne, sauf que ce n'était ni Akaza ni moi, mais bien Flumit le loup-garou bourré. Et voilà ce que ça a donné. Donc lorsque j'ai lancé mon attaque et qu'il y avait Flumit, Wadla, Cassidy et moi-même a priori loup, contre un seul villageois qui était Zardop, je me suis dit que c'était le moment parfait pour attaquer de pleine nuit. Sauf qu'il y avait que Flumit qui était réellement loup. Ce qui a évidemment signé instantanément mon arrêt de mort. Morale de l'histoire, ma première liste de loups-garous était la bonne. Akaza m'a juste troll sans faire exprès et a donc ruiné la game en pensant que je pouvais le brain, je ne sais pas comment, sachant qu'il m'avait dans la liste de loups. Et forcément, puisque je l'avais défendu, c'est la prochaine personne qui va mourir. Mais les masterclass ne s'arrêtent pas là. Nous allons maintenant observer la game d'un point de vue omniscient. Ce qui signifie que nous allons alterner entre mon point de vue spectateur et des points de vue de joueurs encore présent dans la partie, comme I'm Blue Diamond qui, je vous le rappelle, est infecté, Nutitu, Nimbus et Itsino, que je remercie pour m'avoir passé leur point de vue. Et je vous le garantis, vous n'êtes pas prêts.
comprends pas pourquoi ils veulent me tuer en fait. Qui veut te tuer? Ils pensent que je suis trop affecté ou quoi? Non non, pour moi dans le tas il y a des méchants. Et mais mec, le greu, on est d'accord. Fais gaffe, il y a Flumide sous les arbres ici, hein, pas loin. Mais moi je pense que Naughty il est safe hein. C'est Jerry Van, il a un petit montreur d'ours, Shazam, je sais pas. En vrai, moi je pense vraiment que Naughty est safe parce que s'il était méchant, il aurait dit. Ah bah là, en face. Mon abus, c'est bien montreur. Wesh! Ah bah toi, Andrew était bien méchant. T'es infecté alors? Je suis pas infecté, les gars. Mais non, je suis pas infecté, c'est qu'ils sont méchants. Oh quoi? Regardez, il t'attaque. Oh ouais, bon. Je savais que t'étais méchant! Je suis pas méchant. Ouais, mais t'avais aucune. Ah, Kaza, ça suffit. Elle a pas 3 coeurs, Cassie. Voilà. Ah, t'es pas avec moi, Shazam? Shazam, il est gentil, hein. Je sais pas. Mais wesh! Non, tu es. Nimbuste, j'ai les infos. Non, Nimbuste, promis. Oui, attends. Ok, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Oui, t'es où? Je suis au niveau de la faille. Ah, mais c'est moi qui fais qu'on se perde. Oh là là. Ça va les gars, de sneak entre les armes, tranquille. Bon, si sneak, bon, c'est... Ah, quoique non, c'est bon. Ah, c'est qui avait pas beaucoup de gapel? C'est Kokari, là. C'est Kokari, nos héros, mais c'est pas eux. Kokor, nos héros. Faut tempo. Quoi? De quoi? Mais on va bah, bon, allez, on y va, hein. Bon, on avait pas prévu de vous buter, mais bon. C'est pas vos rôles, par contre. Nos héros, je vais encore te buter. Non, laissez-moi. Vas-y, non, vas-y. Laissez-la tranquille. Vas-y, l'assassin, c'est ton moment. Il est où ça? Il faut tout noir. Ah ouais, ta gueule. Eh là, ça c'est ton moment, vraiment. C'est quand tu sois pas là? Ah, s'il est pas ici. Ah, ouais, c'est ouf. Pas là. Quoi? Ah, c'est ouf. Quoi? Ah merde. Mourrez pas, les frérots. Ino. Oui. Il est mort, le frérot? Je l'ai pas remarqué, mais j'ai une micro. C'est bon, j'ai un punch. Il était quoi? Assassin. Mais non. Lui, la what the fuck? C'est toi la prêtresse, Rekchou. Putain, mais on allait pas vous buter à la base, vous aurez pas dû dire, faut qu'on tempo. Bon, c'est trop là. Rekchou, oui! Oui, Kuka! Oui, Kuka, allez, mon grand! Allez, mon champion! Allez! Allez, oui! Mort! Mais meurs, Ino! Ino! Allez, allez, mes petits loups! Oh merde. Allez mes petits loups! Mais quoi, il nous 2v4 là? Allez! Tire-toi. Il faut tuer Ino! Oh là là, c'est historique! C'est historique! C'est la meilleure team, j'ai rien dit les gars! La meilleure. Oh non, c'est le truc. Non mais c'est bon, allez! Allez, c'est bon, frère, j'arrête, c'est bon, allez, ça va! Ah! Là, ça fait trop mal, Ouza. GG. Oh, c'est l'ange! La masterclass n'est jamais finie. Oh là là, allez, Yuneko! Ino sans doute pas. Une écho, viens voir. Oh là là. Oh là là, s'il est dessus, c'est que des masterclass. Vous êtes ange, j'ai gardé les. Non. Bien sûr que si. Non, il reste un ange et il est pas parmi nous. Bon, une écho, ça va, t'as bien tué la prêtresse. Il faut qu'il. Mec, c'est Ino, meurt, ne tue pas ce méchant. Pitié. Non, focus Ino, pitié. Moi, je t'ai pas avec eux. GG. Par contre, les gars, on est dans la merci. Prenez les gaps. Mais non, mais. Qu'est-ce qu'il pourrait. Bah, ouais, il reste pas grand monde. Je peux remettre les rolls si tu veux. Mais... Vous l'avez? Parfait. Il était quoi? Déchu. Ah là là, incroyable. Oh, vas-y, viens, Rodak. Ah, nos héros! T'as pas trop, moi en vrai, je vais que au cac. Bah, désolé. Moi, t'inquiète. Au secours! Au secours! À l'aide! Ah ouais, même pas un petit revers de famille là! Ah non! Je suis mort! Nos héros de cœur! Mais laissez-moi, Guy!
GG. Ouais. Ah putain. Il était bien enfant sauvage. Ouais, en gagnant ensemble, incroyable. Incroyable en vrai. Putain la... Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toutes les personnes présentes dans la game qui m'ont permis d'utiliser leur point de vue. Leur lien de leur chaîne se trouve bien évidemment en description. Ça faisait plusieurs fois que vous me demandiez de mettre la fin des games et aujourd'hui c'est chose faite, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like, ça ferait vraiment super plaisir. Et si vous êtes resté jusqu'ici, comme d'habitude, un grand merci et n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec le petit hashtag bourré. Merci encore à tous pour votre soutien, on se rapproche grandement des 30 000 abonnés, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure pour une nouvelle vidéo, et peut-être mercredi pour une surprise. Bref, c'était Pikafi, je vous fais des bisous, à très bientôt, ciao ciao.